Voilà, la famille, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va un peu. Comme vous voyez derrière là, pour ceux qui connaissent Bafoussam, nous sommes à Bafoussam. Hein. Voilà la BR en bas, voilà le rond-point de la BR. En fait, quand on tourne comme ça, voici la sous-préfecture de Bafoussam. Reviens. Voilà, je dois quand même reconnaître. Je ne sais pas si vous m'appelez colleur de vidéo, ou vous m'appelez blogueur, ou vous m'appelez influenceur, ou vous m'appelez villageois. Je ne sais même pas, vous me donnez tous les noms sur Facebook. Je reconnais que je suis le gars, l'un des gars les plus sales de Facebook. Je reconnais que je suis l'un des plus gros villageois. Je reconnais que je suis l'un des gars le plus illettré. Je connais que je suis l'un des gars le plus pleunichard. Ou c'est pleunichard, ou c'est quoi? C'est vous les profs de français. Je reconnais que je suis tout. Celui qui demande les excuses à toutes les positions. Celui qui ne réfléchit pas avant de parler. Celui qui est bête. Je suis tout. Je reconnais. Je reconnais également que je suis l'un des gars le plus suivi actuellement sur Facebook. Je reconnais. Malgré que je suis villageois, je ne m'habille pas. Je suis tout ce que vous me traitez. Idiot, salaud, con, tout ce que vous me traitez. Je reconnais. Mais ce qui me plaît, c'est que vous me suivez toujours et je vous dis merci. Vous savez, j'ai fait une vidéo il y a cela quelques jours. Certains sont venus me traiter d'orgueilleux. Tu as été orgueilleux. Tu es ceci, tu es ça. Pour ceux qui me suivent depuis, pour ceux qui connaissent Franco, vous savez que Franco est l'un des gars les plus simples, le plus humble sur les réseaux sociaux. Je suis comme vous me voyez là. Partout où mes fans m'ont vu, je ne suis pas différent. Je ne cache pas. Je ne vends pas le rêve. Je suis un affamé. Je n'ai rien, je sais. Mais je suis tout sauf un orgueilleux ou un arrogant. Je voudrais, avant de continuer mon message, présenter d'abord mes excuses à la famille du jeune garçon que j'ai annoncé qu'il était mort. Parce que jusqu'ici, on ne le retrouve pas. Je ne voudrais pas continuer à dire que ceci. Bon, bref, la plus simple des choses est de présenter mes excuses. Si j'ai heurté la sensibilité de cette famille, notre métier que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est comme le métier des benskineurs. Vous allez voir certains benskineurs qui n'ont pas de blessures et vous allez voir d'autres qui ont trop de blessures. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas conduire, c'est parce qu'ils font trop d'erreurs. Et ce que je voudrais vous dire aussi parfois, les amis, dans la vie, ne tapez jamais la main sur la poitrine. Et ne dites jamais que vous êtes fort ou bien que vous comptez sur qui que ce soit. Parce que parfois, tu peux chercher les problèmes croyant que tu comptes sur quelqu'un. Et quand les problèmes là arrivent, tu t'en rends compte que celui sur qui tu comptais n'est même pas avec toi. Je ne suis jamais, je vous ai toujours dit ça sur les réseaux sociaux pour chercher les problèmes. Je fais mes petites vidéos comme j'ai à faire. C'est vrai, des erreurs arrivent comme dans tous les métiers. Mais, apprenez une chose dans la vie. Demandez pardon autant de fois que possible. Même si on se moque de vous, même si on vous traite de quoi, soyez humble. C'est la moindre des choses. Demander les excuses dans la vie n'est pas synonyme de faiblesse. Et n'est non plus synonyme de peur. Mais c'est un signe de respect. Respectez vos aînés, respectez votre entourage, respectez tous ceux qui sont autour de vous. Si vous voulez qu'on vous respecte. Moi, je respecte tout le monde. Oui. Si je respecte les gens, ça ne veut pas dire que j'ai peur des gens. Non. Celui qui me fait beaucoup peur sur terre, c'est celui qui m'a donné la vie. Parce que je sais que c'est lui qui peut décider si ma vie s'arrête maintenant ou demain. Le créateur du ciel et de la terre. Dieu. C'est lui seul. Même si un homme veut me faire du mal, s'il réussit, c'est parce que Dieu a accepté. Tant que Dieu n'accepte pas, même si tu veux me faire quoi, tu ne peux jamais réussir tant que Dieu n'a pas accepté. Donc la seule personne qui peut me trahir, qui peut me vendre,
C'est celui qui m'a créé. Dieu. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui se fait voir, qui tape la main sur la poitrine. Non. Moi, je me couche devant tout le monde. Chacun marche sur moi. Chacun m'insulte. C'est la vie, non? D'autres me traitent même de sorcier, de ceci. C'est la vie, non? C'est la vie. Pendant que d'autres m'insultent, d'autres m'ignorent. Par contre, d'autres me respectent. J'étais à Baham. On installait une reine mère venant des États-Unis. Il a pris le titre qui a été donné par le chef Baham lui-même. Elle est Baham de Djomou. On l'a donné le titre de Mafobougou. Et qu'elle arrive au pays, elle a dit Franco, tu es l'un des blogueurs, comme ça qu'elle m'appelle, que je suis sur Facebook. Et je ne peux pas, on ne peut pas célébrer les 90 ans de ma mère et on me donne le titre de Mafobougou. Tu n'es pas présent. Porte ta caméra, tu viens même immortaliser ça. J'étais très heureux. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. J'étais invité par l'entreprise Mana. L'entreprise Mana, pour ceux qui ne savent pas, c'est une très grande entreprise qui a plusieurs activités, spécialisées dans plusieurs domaines. Il y a Mana Institute qui forme. Aujourd'hui était la sortie officielle de ceux qui ont passé un an à se former en make-up, soins de visage, en esthétique, massage corporel, tout ce que vous connaissez dans le monde de la beauté. Dernièrement, je vous présentais l'Institut, le Mana Music, qui forme, qui montrait les jeunes petits qui se formaient en batterie, guitare, chanter et tout le reste. Tout récemment, je vous présentais aussi le savon Mana, qui est l'un des meilleurs savons actuellement qui est utilisé au Cameroun, savon de ménage, qui soigne les boutons, tout ce que vous connaissez, qui vous rend beau. Il y a également Mana Sono qui couvre les événements, qui loue les appareils, ou c'est musicaux, ou c'est musical, ou les appareils de musique. Je ne suis pas prof de français. Donc il y a également Mana Music pour ceux qui ont leurs événements, qui veulent les DJ, les super DJ ici à Bakoussa. Donc il y a tellement Mana, il y a Mana. Il y a encore quel Mana? Un Mana Institut de beauté qui spécialisait dans coiffure hommes et femmes, soins de visage, tout ce que vous connaissez en ce qui concerne la beauté également. Situé à Djelensé, à côté de la maison Saint James, à Bafoussam. Mana Music est situé à Tamja. Donc, voilà les gens qui aiment ce que Franco fait. Donc, les amis, pendant que d'autres me détestent, d'autres aiment ce que je fais. La preuve, mes abonnés montent tous les jours. Ça ne décroît pas. Vous m'insultez et vous continuez à me suivre. Et c'est ça qui est important. Je vais chuter ma vidéo en présentant encore une fois de plus. Si j'ai heurté la sensibilité de la famille, moi, ça va me servir à quoi de venir chanter les louanges ou bien crier que quelqu'un est décédé. Moi, l'objectif était de passer le message comme j'ai l'habitude de passer, de sensibiliser les jeunes que faites attention. Si mon message a été mal interprété, je suis encore désolé. Je suis vraiment désolé et la vie est simple, les gars. La vie est très simple. Ça ne sert à rien de faire le bruit ou le boucan. C'était le général Franco, votre humble serviteur. Je vous l'offre. À la prochaine.